Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un unboxing et un test d'une batterie que j'ai acheté là maintenant. C'est une Roland, je sais plus trop le modèle, je vous le dirai plus tard. C'est parti. Allons chercher ça. Voilà, j'ai tout le matos, maintenant venez avec moi. Alors le premier carton, il y a ça, cymbales, encore des cymbales. Je pense que ça c'est les tomes. Alors, c'est le Charleston. Maintenant, c'est bluffant. Suivant, c'est le kick. Ok. Wow, il est géant le kick. Suivant. Alors, ok, c'est la pédale. J'adore ce truc. Ah. Ça détend. La dernière boîte, c'est ce dernier carton. C'est tout ce qui va tenir. En fait, le snare, le cymbal, les tomes, ce que vous voulez. Je vais construire tout ça. J'ai installé la batterie et maintenant je vais vous jouer quelque chose pour entendre la qualité. Et puis je vous conseille de mettre vos écouteurs, vous entendrez mieux. On appuie sur sang. On veut rock par exemple, et on peut changer si on veut. Voilà, puis on appuie play. Et pause, c'est le même bouton. On peut enregistrer, on peut ralentir le tempo ou accélérer. User sample, c'est avec la carte SD. On peut mettre des samples et les ajouter à la batterie. Et mon truc le plus préféré dans cette batterie, c'est que cette batterie elle est Bluetooth, juste là. On peut mettre de la musique depuis notre téléphone et jouer en même temps. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors déjà sur notre téléphone, on active le Bluetooth. On va dans Setup et il y a Bluetooth ici. Entrée, ou je sais pas comment ça se dit. Tac, et voilà. Sur le téléphone, normalement on peut se connecter. Voilà. Et maintenant, tous les liens seront dans la description. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Mettez un like, mettez un dislike, commentez. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Johnson. Ciao. Now we up like up.